quoi. Pendu. Bon, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle session flotte. Là, Alexis est pas là, je suis avec Adrien. On va se faire une petite session recherche des grosses perches, des brochets, de tout ce qui voudra venir mordre. Donc objectif, perche au drop vert, perche au leurre, tout ce qu'on peut sur une bonne structure. Faire des vifs et mettre une canne à fireball ou une canne à drop vif. Et on continue à pêcher au leurre à côté. Bon, je pense que si vous avez suivi la vidéo de l'année dernière, vous connaissez la technique pour optimiser au maximum la pêche et prendre le plus de poissons possible. Ah, je suis dans 3 mètres, bon, je vais aller chercher la structure directe. Hein. Sinon, je l'ai sur mon téléphone, peut-être que je peux essayer de le retrouver. Oh, loupé! Ah! Je laissais traîner mon drop vert et d'un coup, boum, 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 boum! Boum, grosse cassure. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et... Hop, et voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Je suis au bon endroit. Tac. Oh, je suis à cette touche-là. Ben voilà. Pas compliqué quand même. Coquine. Toi, tu pars en vif. Toi, tu vas partir dans pas longtemps. Eh merde. Tu vas devoir le regonfler au fur et à mesure. Je te le regonflerai. Mais cette chasse qu'ils viennent d'avoir encore là! Ils sont énervés les brochets! Plus de verre moi du coup! En plus, je suis toujours pas sur la bonne zone! Hein. Il va falloir que je la trouve exactement la bonne zone parce que. Faut que je mette les marqueurs dès que je trouve la zone. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé. Ouais. Et tu rentres par contre, faut que je te laisse. Là, j'ai une touche, j'ai un départ. Ok. Hop. Ah. Putain. Je peux pas tout faire, j'ai deux perches partout, j'ai le téléphone. Non, toi, reste par là. Ah. Comment est-ce que je te fous, toi, là? Oh, ce bordel. Ah là là, j'ai pas pu faire, j'étais au téléphone. Oh, doucement. Doucement, doucement. Quelle idée de vouloir bouffer ça, toi, hein? Ok. Ça me fait penser que tu mets un bateau avec lui. Oh! Raté. Avec un bateau avec Thibaut, il jette son gros. Bordel ce qu'il y a dessous. Oh, oh bah là on y est là. Là on y est. Regardez les gens. Le fond il est là. Et ça, c'est du poisson. Et là il y a des trucs qui remontent. Moi bon, je vais passer au leurre après. Oh. Un peu. Ah, ah là j'ai le banc qui commence. Putain, c'est gros, c'est joli, c'est joli. Oh putain, oui, c'est sympa. Belle perche. J'avais dit le banc il commençait là, c'était sûr. C'était sûr. La perche, y'a que ça, y'a que ça.
Voilà les gens, première belle perche de la journée. Elle est pas énorme, mais elle fait un petit 35. Allez, 30. N'exagérons pas, 30 cm. Yes! Ouais. Hop. Alors, ça c'est où? Alors, on va mettre là. Oh, c'est un brochet? Ouais. Un petit bec. En fait, le pro là où on va être le plus restreint aujourd'hui, c'est la quantité de vif. Regardez les gens. Il vient de faire une Big Mama. Ça, c'est de la perche. Je pense que les 50, elle est pas loin. Si elle les a pas, elle est vraiment pas loin. C'est pas la bonne. Hop. Alors. On va relâcher tout ça. On va faire la séance photo de la mama. C'est un gouffre. Ah, il y a vraiment un beau poisson. Cette gueule qu'elle a. Tiens, t'as le téléphone là. Ah, ma belle. Alors, partir bien. Magique. Elle est vraiment belle. Ses couleurs, ça va. Ouais, je t'en ai là. Yes. Bon, allez, je relâche les autres. Allez, là, on est sur le lac. Regardez ça, on est sur le barrage. Il y a une... Regardez la prise d'eau, comme elle est énorme. C'est un immeuble, le truc. C'est vraiment juste énorme. On va essayer de se faire du poisson puisque ça n'a rien donné tout à l'heure. Qu'est-ce que je viens pour en mettre? Tu les entends les poissons là? Tu l'as vu? C'était quoi? Ouais, c'était tout petit, je crois que c'était un blanc. En vertical le long de cette structure, je te dis pas les trucs qu'il doit y avoir. Poisson. Oh, décroché! Oh putain! Oh, il en a manqué! Putain! Cendre, non? Il m'a volé mon triple! Il m'a pété, coupé mon triple! Broché au one-up! Oh, le fils de pute! J'avais un triple et tout! Hein. Ouais. Il me l'a coupé! Ouais, j'ai vu! Il m'est arrivé pareil à mon délit l'an dernier! Chier, le seul poisson que pique! Il avait l'air correct! Hein. Ouais! Ah bah, il m'a mis des traces de chicot en plus! Hein. Animé. Linéaire là, à la fin il a tapé. Ouais. Oh. J'ai pris une touche à la descente. Quoi? J'ai pris une tape à la descente. Où je suis posé. Non. Test sur le barrage, ça peut être top. T'as peu de chance de l'accrocher. Comme tu ramènes en linéaire, tu passes au-dessus du fond. Bien, tu l'as récupéré. Ah, oh, le fils de pute.
C'est joli, c'est correct. Non, c'est un broc, un petit broc. Je t'avais dit que ça tapait. Je bride, c'est bon, il est bien piqué. Il est piqué à ras. 50-60, hein. Comment il est blanc. Tu l'as? C'est mon bal, quoi. Ouais. Je t'avais dit que j'avais eu des tapes. Ce con. Tu veux faire une photo? Ouais. Attends. Sors. Une défense. Tu veux une photo? Oui, il va bouger. Tant pis. Il va bouger. Il a un peu de base.